À partir de là, vous êtes fliqué, tout est enregistré. Donc, on avait deux exercices à faire pour aujourd'hui, et après on commence le nouveau cours. Alors, dans l'exercice 23 de l'alcool dans le sang, un prélèvement sanguin permet de dépister une consommation d'éthanol récente. L'éthanol est l'alcool comestible et de formule C2H5OH. D'accord? Et on vous demande, l'atome d'hydrogène donne un anion monoatomique stable, lequel? Donc, comment on fait? Première chose, on écrit la configuration électronique de l'hydrogène, 1s1. Combien d'électrons de valence? Comment ça bug? Pourquoi ça bug? Viens de faire 2 heures de cours avec les secondes 7, ça n'a pas bugué. Le quiz en ligne d'histoire, c'est en histoire. Oh, ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai mon horaire de cours, je respecte mon horaire de cours. Ça, vous voyez comment il s'appelle, votre professeur d'histoire? Monsieur Timbergen. Merci à Wena, ça ne bug pas. Merci Inès également. Alors, pour l'ion monoatomique stable de l'hydrogène, bah, tout bêtement, afin d'acquérir la structure électronique du gaz noble qui lui est le plus proche, c'est-à-dire l'hélium, et donc respecter la règle du Dewey, l'hydrogène va capter combien d'électrons? Afin d'acquérir la structure électronique de l'hélium, donc qui est de configuration 1s2, H va capter un électron et donc il forme l'ion H moins. D'accord? Même chose pour l'atome d'oxygène peut donner un anion monoatomique stable, lequel? Donc là, c'est l'anion stable de l'oxygène. Donc, je vous rappelle le numéro atomique de l'oxygène qui est 8, sa structure électronique 1s2, 2s2, 2p4. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Afin d'acquérir la structure électronique de qui? Du néon, en effet, du néon, dont sa structure c'est 1s2, 2s2, 2p6, O va gagner ou capter 2 électrons, ce qui fait que son anion c'est O2-. Pour se stabiliser, les atomes peuvent aussi former des molécules. Alors, on vous propose une formule de Lewis de l'éthanol, Lewis pour l'éthanol, et on vous propose H, C, H, H, C, H, H, O, H. Est-ce que ça va ou pas comme formule de Lewis? Et il manque les doublés non liants. Donc deux doublés non liants pour notre oxygène. Et là, vous avez la bonne formule de Lewis. Bon exercice sympathique, très facile. Et la deuxième, trop simple aussi, le 26, ce qui conclura
totalement le cours sur la stabilité des entités chimiques. Est-ce que c'est bon pour l'exercice 23? Est-ce qu'il y a des questions? Paul, c'est quoi ta question? Bizarrement, il n'y en a pas. Ok, donc je tourne la page et je corrige l'exercice 26. De la page 120. Tiens, bon. Alors, qu'est-ce qu'il disait? On vous donnait des documents et des données, proposait la formule de Lewis du sulfure d'hydrogène. Alors, on vous donnait la molécule d'eau, la classification périodique des éléments, et à partir de là, il fallait trouver quelle était la formule de Lewis du sulfure d'hydrogène. Alors, comment on fait? Ben c'est bon, Paul, maintenant. En fait, la seule chose qu'il fallait vous constater, il y avait plusieurs méthodes. Soit vous utilisez la classification périodique, et ce que vous constatez, c'est que vous avez O 16-8 et que vous avez S 16-32, ils sont sous la même colonne. D'accord? S est dans la même colonne que O. Qu'est-ce que vous pouvez en conclure sur sa représentation de Lewis? Exactement. Même représentation de Lewis. C'est-à-dire que le soufre a deux doublets non liants et peuvent créer deux liaisons. Donc forcément, on vous dit que la formule du sulfure d'hydrogène, c'est H2S. Donc on a deux atomes d'hydrogène de part et d'autre. Ils vont pouvoir se relier. Et donc en fait, le sulfure d'hydrogène, voilà sa formule de Lewis, qu'on représente aussi comme ça. Ça ressemble un peu à la molécule d'eau, pour lequel l'oxygène a été remplacé par un ion soufre, par un atome de soufre. Voilà pour ce chapitre. Donc je vous conseille d'attaquer le quiz assez rapidement. Pour le moment, il n'y a qu'Emio qui l'a fait. Ce qui est très bien. Et on va passer à un nouveau chapitre. Alors j'ai hésité. Plusieurs trucs qu'on aurait pu faire. Je ne sais pas encore lequel. Mais allez, on va faire les transformations physiques. C'est pour samedi, ouais, le quiz. Alors, sur Pronote, c'est écrit pour vendredi. Parce que je n'ai pas accès à vous mettre. Mais j'ai précisé dans l'énoncé, sur l'onglet Pronote, que le deadline était pour samedi 18h. Sauf pour Dal Olmo, lui, je vais faire un quiz spécial. Pour lui, c'est jeudi 18h. Je sais que tu adores ça. Alors, nouveau chapitre. Hop, ça j'enlève. Et nous abordons un nouveau chapitre qui est le chapitre 6 dans la progression. Alors, on va faire trois chapitres consécutifs qui vont parler de transformations. Les transformations que l'on peut rencontrer dans la nature, elles sont de trois grandes catégories. Les premières, ça va être ce qu'on va étudier aujourd'hui, les transformations qui sont dites physiques. Le chapitre suivant, ça
va être les transformations qui vont être dites chimiques. Et on terminera par les transformations un peu plus compliquées, mais plus fun à étudier, les transformations nucléaires. On va apprendre qu'est-ce qui se passe au sein d'une étoile, au sein d'un réacteur nucléaire, au sein d'une bombe atomique. Voilà, ça, ce sera le dernier chapitre. Mais pour pouvoir comprendre ce dernier chapitre, vous devez comprendre tout ce qu'il y a avant. Comme d'hab. Alors, les transformations physiques. On va déjà commencer par le plus classique. On va parler des changements d'état. Une transformation physique, en général, c'est quelque chose qui change d'état. Par exemple, un glaçon qui fond. Au départ, on a quel type de molécule pour un glaçon qui fond? Exactement. Alors, ce n'est pas un type de molécule. Attention, là, c'est la forme. D'abord, la forme est solide, mais quel est le type de molécule que l'on a au départ? Un glaçon est composé par des molécules d'eau. Merci. Voilà, d'eau sous forme solide. Maintenant, le glaçon fond, qu'est-ce qu'on a à l'état final? On a toujours de l'eau, mais cette fois-ci sous forme liquide. Donc, ce n'est pas une transformation chimique, parce qu'une transformation chimique change la constitution de la molécule en brisant des liaisons et en recomposant de nouvelles liaisons pour changer vraiment, passer d'un réactif à un produit. C'est ce qu'on verra au chapitre 7. Là, on a une molécule d'eau, et à la fin, on a encore une molécule d'eau, mais elles n'ont pas la même forme. On a donc ce qu'on appelle une transformation physique. Et ces transformations physiques, elles sont en général caractérisées par ce qu'on appelle les changements d'état. 1-1, on va caractériser les changements d'état. Alors, je pense que vous connaissez les trois grands états de la matière. Quels sont-ils? Solide, liquide et gazeux. Donc, c'est ce qu'on va voir en 1, les trois états de la matière. Et donc, quoi qu'il arrive à la rentrée, moi je serai là, ça y est, j'ai été vacciné. Vous ne mourrez plus. Au passage. Maintenant, il n'y a plus que vous. Alors, trois états de la matière. Je vais marquer les gaz. Ensuite, on va regarder les solides. Donc, on va faire une pyramide et on va regarder les liquides. D'accord? Et on va devoir comprendre, vous devez connaître les noms qui vous permettent de passer d'un état à un autre. Alors, on va commencer par les choses les plus simples. Donc, en tout, vous avez trois états, vous avez donc six possibilités de passage d'un état à un autre. Et vous devez connaître ces termes. Alors, comment on appelle le passage du solide vers le liquide? Exactement, c'est la fusion. Le point de fusion, c'est ce qu'on avait vu, c'est lorsque un solide passe à l'état liquide et à une certaine température. Le phénomène inverse, quand on passe d'un liquide un solide. Très bien. La solidification. Alors après, donc, Margot, tu m'as parlé de liquéfaction. Donc, ce n'était pas le solide à liquide, la liquéfaction, ça peut être quoi d'autre?
Exactement, de gaz à liquide. Donc quand on passe du gaz au liquide, on parle de liquéfaction. Comment s'appelle le phénomène inverse? Celui-là, il est facile. Quand on passe du liquide vers le gaz. Alors, ce n'est pas l'évaporation, c'est la vaporisation. Je vais mettre comme ça. Vaporisation. Et il nous reste les deux derniers où vous avez un peu plus de mal. Gaz vers solide et solide vers gaz. Alors, on ne parlera pas d'évaporation, on parle vraiment de vaporisation. L'évaporation, c'est encore un phénomène différent. Alors, Emmanuel, c'est quoi pour toi la sublimation? Raphaël, pareil. Alors, c'est de solide à gaz. Gaz vers solide. Voilà, gaz vers solide, c'est la condensation. Et solide vers gaz, c'est ce qu'on appelle la sublimation. On y va. Là, hop. Donc de gaz vers solide, on a la condensation. Et enfin, de solide vers gaz, celui qui est un peu plus. Pourquoi tu es mort, Raphaël? Qu'est-ce qui se passe? La sublimation. C'est juste ENFT, où tu sais même plus écrire. Voilà, ce triangle des états avec leur passage, vous devez les connaître, d'accord, et savoir comment on passe de l'un à l'autre. Alors, bien entendu, nous, une transformation, elle va seulement considérer soit une condensation, une vaporisation, une liquéfaction, bref, une des six transformations. Et on va devoir la symboliser du point de vue symbolique. Donc, je vais vous montrer en fait comment on symbolise une transformation du point de vue physico-chimique. Donc, écriture symbolique des transformations physiques. Alors, c'est tout bête. Vous avez un élément qu'on va appeler X, qui est dans un état, ça peut être un solide, un liquide ou un gaz, d'accord? Et bien par une transformation physique, on va dire simplement, comme pour l'eau, est-ce que l'état de la molécule X, enfin pardon, est-ce que la forme de la molécule X va changer par une transformation physique? Donc au final, j'aurai encore du X, mais qui sera dans un autre état, dans un état 2. Terminé. Voilà comment on symbolise une transformation physique. Donc une flèche, mais on n'oublie pas de mettre entre parenthèses les états. Les états peuvent être de trois formes. On a dit, si on a un solide, on va mettre un petit s. Si on a un liquide, mettre un petit G. Et si on a pardon, je raconte des bêtises, petit L. Et si on a un gaz, on met un petit G. D'accord? Alors c'est sûr, on a aussi les états aqueux, mais on va voir que les états aqueux, ce sont des transformations chimiques. C'est parce qu'on a un dissous un composé, et la dissolution d'un composé brise certains types de liaisons qu'on appelle des liaisons ioniques et donc sépare les composés en fin de compte. Que ça va pour le moment? Vous êtes mort ou quoi?
Tiens, je vais mettre le mode examen pour voir vos vidéos. Vous avez tous une webcam ou pas? Qui n'a pas de webcam? D'ailleurs, qui ment puisque vous avez tous une tablette avec une webcam intégrée. Là là. La webcam est cachée. Ben voyons. Alors. Eh bien, vous savez, si on reste confiné, je vous explique le fonctionnement, nous allons pouvoir faire des examens en mode examen, en visio. Et donc, vous serez obligé de décacheter votre webcam de façon à ce que je vois si vous êtes bien en face de votre écran. Oui, c'est bien les quiz, mais c'est pas très représentatif, on va dire. Hein. Ce qu'il me faut, ce serait voir quand vous le faites seul, avec un véritable examen, papier, et après vous uploadez vos fichiers et on corrige. Alors là, Paul, tu n'as toujours pas compris que tu es dans une dictature. La seconde 2 est dirigée en dictature, c'est tout. Après, si tu veux pas la mettre, c'est pas grave, hein. Les conséquences seront redoutables. Oui. Blanquer a aussi dit aux infos que c'était une attaque terroriste qui avait piraté le système de l'éducation nationale. Hein? Il y a tout ça. Oui. Sur ce, je tourne la page. Paul, t'as intérêt à avoir écrit. Clac! Alors, 3. L'interprétation microscopique. Donc maintenant, en fait, ce qu'il faut, normalement, tout ça, vous l'aviez commencé à le voir au collège, sauf si vous étiez confiné. Interprétation microscopique. Maintenant, ce que je voudrais rajouter par rapport à tout ça. Oh merde, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais écrire. 3. Interprétation microscopique. Donc, ce que je veux rajouter, c'est simplement que vous sachiez décrire simplement la matière. À quoi ressemble la matière? Comment on peut la décrire suivant les états? Donc, on va commencer par l'état solide. À l'état solide, deux caractéristiques. Toutes les entités. On va considérer que les entités sont liées entre elles, mais comment se font ces liaisons? Est-ce qu'elles sont fortes en état solide ou est-ce qu'elles sont très faibles? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les casser facilement ou pas? Exactement. Donc, les entités sont fortement liées les unes aux autres, fortement liées les unes aux autres. Ça, c'est la première chose. Et enfin, est-ce que les molécules, je pense que vous avez tous compris, que les molécules, toutes les entités qui nous entourent, est-ce qu'elles sont fixes? Donc c'est vrai, Léo, tu nous dis, elles sont collées. Je suis d'accord, c'est pas tout à fait exact. Si par exemple, je prends un gaz. Un gaz, c'est des molécules, par exemple, on prend l'air autour de nous. Est-ce que ces molécules d'air qui constituent l'air sont statiques? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ne bougent pas? Non, elles sont mobiles. Maintenant, on considère qu'on prend un solide, par exemple ce stylo. Est-ce que les molécules de plastique qui constituent ce stylo sont fixes? Raphaël et Inès ont raison. En fait, quoi qu'il arrive, les molécules sont toujours en perpétuelle agitation. Y a toujours une mobilité qui existe. Alors, c'est sûr, la mobilité des molécules dans un solide est beaucoup plus faible que la molécule, que la mobilité dans des gaz. Donc, on va simplement dire que les entités ont peu de mobilité, mais elles en ont une. Parce que vous verrez plus tard,
la mobilité de la molécule va permettre d'évaluer la température du corps que l'on considère. Non, si vous cassez le stylo. T'en as d'autres déliés. Je ne casserai pas mon stylo. Alors, donc on va toujours parler, pour caractériser l'interprétation microscopique de la matière, du fait, est-ce que les entités sont fortement ou faiblement liées entre elles? Est-ce qu'elles sont mobiles ou pas très mobiles? Donc maintenant, on va passer au liquide. Dans un liquide, comment sont liées les molécules? Alors, elles sont peu liées entre elles, c'est clair, mais elles restent malgré tout proches. Donc, dans un solide, quoi qu'il arrive, les molécules sont très liées et sont proches. Et dans un liquide, les entités sont très proches l'une de l'autre. Alors, tout est relatif, hein, mais peu liées entre elles. Est-ce qu'elles sont mobiles? Ça bouge un peu, ça bouge même pas mal. D'accord? Elles sont mobiles. Et il nous reste les gaz. Alors, dans les gaz, ben là, c'est le while. Elles sont très éloignées les unes des autres, pas de liaison, et ça va dans tous les sens, ça bouge énormément. D'accord? Donc, on va parler d'entités libres, les unes par rapport aux autres. Les unes par rapport aux autres. Et enfin, elles sont très mobiles et espacées. D'ailleurs, alors, elles prennent tout l'espace disponible, ça on verra par la suite. Alors, on peut facilement l'imaginer. Vous prenez de la vapeur d'eau. Vous faites baisser la température de cette vapeur d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Elle se liquéfie. Exactement. Et donc, quand on fait baisser la température d'un corps, ben on lui enlève de l'énergie, tout bêtement. En lui prenant de l'énergie, ben ça lui permet de changer d'état, et donc de devenir plus stable, de voir moins d'agitation thermique, donc moins d'énergie. Et si on continue à faire baisser la température d'un liquide, ben qu'est-ce qui se passe? Il va se solidifier. Et donc on lui a encore enlevé de l'énergie. Donc, en baissant la température, c'est simplement qu'on enlève de l'énergie du corps. Et on va observer des changements physiques. Donc, c'est ce qu'on va marquer là. C'est que lors d'un changement d'état physique, l'agitation des molécules, l'agitation des entités est modifiée. Donc c'est vraiment les particules, en effectuant un changement d'état, elles vont modifier leur agitation. Et c'est vrai que c'est à partir de cette agitation thermique, on appelle ça, qu'on va pouvoir définir la notion de température. Donc l'agitation des entités est modifiée. Jusqu'à quoi?
Premier crash de la journée. Un moment crucial, exactement. Voilà, hop, webcam, vidéo, pas baloum. Ah oui, là, c'était fait exprès, en fait. Alors, jusqu'à ce que quoi? On revient sur le terme des liaisons. Jusqu'à ce que les liaisons s'affaiblissent. Il y a un moment, forcément, les liaisons vont s'affaiblir. S'affaiblissent. Et en s'affaiblissant, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Soit elles vont se casser, ou alors, on peut en créer. Dans ce cadre-là, on ne sera plus dans une transformation physique, on va rentrer dans les transformations chimiques. Donc en fait, le changement d'état physique permet de favoriser ou non une transformation chimique par la suite. C'est pour ça que de temps en temps, il faudra mieux chauffer des réactifs pour pouvoir faciliter la transformation chimique. Donc effectuez d'abord une transformation physique de votre réactif pour ensuite le faire réagir et qu'il puisse réaliser sa transformation chimique. Est-ce que ça va? Des questions pour le moment. Ça va. Il est ramollo, hein, le mot là. Et c'est ça que j'ai oublié de voir, c'était 11%. Alors attendez, je regarde dans le bouquin. Et on va faire un premier exercice. L'exercice 11. Paul, je peux tourner la page ou pas? Alors Margot, ça veut dire qu'il y a plus de molécules dans le C. Alors ça, c'est pas cohérent ta question, Margot. À même volume, tu prends une enceinte d'un volume quelconque. Ton gaz va occuper tout le volume. Maintenant, si tu compresses ce gaz, ben tu rapproches les molécules entre elles. C'est sûr que le solide va prendre moins de place que le gaz. Parce que vous avez dit se casse. Alors, c'est les liaisons qui vont créer. Tu vas dans un gaz, tu n'as pas de liaison entre les molécules et entre les entités. Tu as certaines liaisons qu'on a, c'est des liaisons qui ne sont pas covalentes, d'accord, comme on a vu dans le chapitre d'avant, mais c'est d'autres types de liaisons qu'on étudiera plus tard. Alors, vous allez me faire l'exercice 11. Alors, exercice 11 de la page 133. Alors, qui va me dire, j'ai pas chargé ma tablette, j'ai pas mon bouquin, je sais pas quoi. Alors, je vais essayer de le trouver. Pourquoi chez moi ça marche? Attends, on va le faire comme ça va être pas mal. Je vais voir. C'est pareil, les ondes covalentes et les ondes valence, c'est pareil. D'accord? En seconde, on va parler des deux. Parce qu'avant de parler de valence, on parlait de covalence. Donc ça revient exactement au même. Tu trouveras les deux termes dans les bouquins. Alors, détecter le partage d'écran, ouvrir via screen sharing, partager l'écran. Hop. Là, vous allez me dire, est-ce que vous voyez l'écran, mon écran? Oui ou non? Ok, alors je vais passer les deux. Tac. Voilà l'exo. Sous pression atmosphérique normale,
Et à température de 25 degrés, l'éthane est gazeux alors que l'éthanol est liquide. Quel est le composé le plus désordonné à 25 degrés? Et dans quel composé les liaisons intermoléculaires sont-elles plus fortes? Voilà, là on va un peu définir les choses après. Alors, je vous laisse un peu réfléchir, je suis obligé de passer, voir si vous avez des questions. Donc, l'éthane est le Margot, l'éthane est le plus désordonné. Pourquoi? Parce qu'il est gaz, exactement. Un gaz possède une structure microscopique. Comment j'avais mis? J'avais mis structure ou pas? J'avais mis comment? Je sais plus ce que j'ai marqué. Une structure microscopique plus désordonnée qu'un liquide. Ainsi, l'éthane sera le composé le plus désordonné à 25 degrés Celsius. C'est page 133. Alors, je vous laisse répondre tranquillement à la deuxième question. Dans quel composé les liaisons intermoléculaires sont-elles plus fortes à 25 degrés? Donc, est-ce qu'on parle de liaison de valence ou de liaison covalente ici? Exactement. Parce que les liaisons de valence ou les liaisons de covalence, ce sont des liaisons qui sont dites intramoléculaires. C'est elles qui forment les molécules. Donc ça, on peut le marquer. Attention. Ne pas confondre avec les liaisons de valence qui sont des liaisons intramoléculaires. Mais Paul, je te l'ai dit, 133. Oh là là. Trois fois, quoi. Alors, dans quel composé entre l'éthane et l'éthanol, ces liaisons intermoléculaires sont-elles les plus fortes? Alors, tu me dis dans l'état. Arrêtez! Les liaisons intermoléculaires, elles vont être plus fortes dès lors que les molécules sont assez proches entre elles. Donc forcément, plus des éléments vont être proches, plus elles vont pouvoir se lier entre elles. Donc forcément, c'est à l'état liquide. D'accord? Donc les liaisons intermoléculaires sont plus fortes à l'état liquide qu'à l'état gazeux, puisque ces liaisons se renforcent de par la proximité des molécules entre elles. Ainsi, c'est dans l'éthanol que les liaisons intermoléculaires sont les plus fortes.
Je regarde juste puisqu'il est à l'Italie. Ok. Est-ce que ça va? Non, je suis obligé de passer à chaque fois parce que j'ai pas deux écrans. Si oui, on peut passer à la suite du cours, suite et fin du cours, qui vous permettra ensuite de faire des exercices pour les vacances. Et à la rentrée, on terminera là-dessus. Toujours en distanciel. Mon pauvre petit Ennio, quand je vous ai dit que la physique, c'était la discipline reine qui reliait les connaissances physico-chimiques, les calculs mathématiques, l'expression littérale du français, la communication de l'anglais et le dessin artistique par des molécules, par exemple. Vous devez tout savoir faire en physique. Magique, non? Oui, bon, toi, dans le mot, on verra. À la rentrée, je prendrai ton cahier pour voir ce que tu as fait. À notre tour. S'il y a la moindre erreur, la moindre faute ou la moindre virgule qui n'a pas été recopiée par rapport à mon cours, ça va mal aller. Bon, par contre, c'est très frustrant de parler seul dans le vide et de ne pas avoir de retour. Et pas copié. Bah oui, Ennio, tu es lent. Oh là là. T'as qui en français? Ah, il faut qu'on finisse ce cours. Donc, on passe au grand 2. On va faire un peu de calcul et on va regarder les énergies de changement d'état. C'est bon, Ennio, t'as copié? J'attends encore. Énergie de changement d'état. Comme ça, je remets la webcam après. Allez! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hop, on arrête le partage, boum boum, et nous revoilà, tout va bien. Grand 2, énergie de changement d'état. Et on va déjà essayer de caractériser deux termes importants, l'endothermie et l'exothermie. Endothermie, que. Ou exothermique. Raphaël, tu te tais. Alors, quand il y a absorption d'énergie, on va dire que la réaction est endothermique. Par exemple, la vaporisation. Vaporisation. La fusion. Et la sublimation sont des réactions physiques endothermiques. S'il y a libération d'énergie, c'est-à-dire si ça pète, quoi, on va dire que la réaction est exothermique. Exo pour extérieur. Ça libère de l'énergie vers l'extérieur. Donc on parle de réaction exothermique. Ben là, c'est toutes les autres. La liquéfaction, la solidification, et la condensation sont des réactions qui sont dites exothermiques. Comme ça, Paul?
Montée ER. Vous pouvez monter, vous pouvez prendre, montée ER. Par contre, montez un peu comme écrit Raphaël. Ouh là là, vous n'êtes pas logique. Et donc, nous allons pouvoir passer à la dernière chose qui va vous permettre de faire toute la liste de grands exercices que je vais vous donner à faire pour les vacances. L'énergie de changement d'état. Alors, on va parler d'énergie massique. L'énergie massique qu'on note grand L de changement d'état d'un corps pur. Correspond à l'énergie que doit absorber ou libérer, que doit absorber ou libérer 1 kg de ce corps pur. De ce corps pur pour le faire changer d'état. Pour le faire changer d'état. Donc, si L est positif, eh ben, on a une réaction qui est endothermique. Puisqu'il faut fournir de l'énergie au système. Le système va prendre une énergie positive, donc il a besoin d'énergie pour changer d'état, donc on a une réaction endothermique. Si par contre L est négatif, la réaction est exothermique. En effet, si L est négatif, ça veut dire que l'énergie sort du système. Si elle sort du système, elle est libérée vers l'extérieur. D'accord? Alors pourquoi on a noté L? Cette énergie massique de changement d'état, c'est ce qu'on appelle, est aussi appelée la chaleur latente. Chaleur latente. Donc c'est pour le L de latent. Et donc, je vais pouvoir vous marquer la seule formule de secours que vous avez à connaître. C'est comment est-ce qu'on calcule la chaleur, l'énergie libérée ou absorbée par un corps pur lorsqu'il change d'état. Donc ça, c'est très simple. Simplement que Q est égal à M, la masse de votre composé, fois la chaleur latente de ce composé que vous êtes en train d'étudier. Alors, le plus dur pour vous, ça va être les unités. Q, c'est ce qu'on appelle la quantité d'énergie ou chaleur. Quantité d'énergie qui s'exprime en joules. Donc l'énergie s'exprime en joules. Très bien lu. M, c'est tout bête, hein, c'est la masse du corps pur que vous considérez. Masse du corps pur. Donc ça, c'est en kilogrammes. Et enfin, L, c'est donc la chaleur latente massique de votre corps pur
qui s'exprime. Alors, quelle va être l'unité de cette chaleur latente massique d'après vous? Si Q est en joule, puisque c'est une énergie, M est kilogramme, en quoi s'exprime? Alors, Raphaël, tu t'es planté. Paul, Celsius, que dalle. Kilogramme, parce qu'il y a un kilo dans le four, rien du tout. Donc, là, j'ai des joules qui doivent être égales à des kilogrammes multipliés par ce que je cherche. À la place des points d'interrogation qui sont là. Qu'est-ce que tu as marqué? Merci Emmanuel, merci Margot, faux Enyo. Si tu, Enyo, si tu mettais des kilogrammes par joule, tu aurais des kilogrammes carrés divisés par des joules. D'accord? Donc ce sont des joules par kilogramme. Wally Wally. Alors. On va s'arrêter là. Je vais juste vous donner. C'est juste pareil, c'est juste l'inverse. Oui, mais l'inverse. Un demi, c'est pas pareil que deux, Elio. D'accord? Si tu veux à ta prochaine interro, je prendrai l'inverse de ta note. Ça te va? Sauf que l'inverse de zéro, c'est l'infini. Ça, c'est pas bon. Alors, je vous donne la liste des exos que vous allez devoir faire pendant les vacances. Et en fait, si vous avez un thermocouple à la maison, vous pouvez faire un TP. Mais bon, pour faire que des œufs durs, mais c'est un peu compliqué, je pense que vous... Du coup, c'est si j'ai 17, c'est bénéfique. Non, ça fera... Oui, moins 17. Non, tu confonds inverse et opposé. Et mieux. Alors, les exos qu'il va falloir faire, je vous les donne. Donc ça, ce sera pour donc dans 2 semaines. Je vais regarder dans Pronote ce que ça dit. Alors, Pronote, il est... Ah oui, non, mais c'est vrai que ça marche plus. C'est vrai que le serveur a planté, donc je peux pas. On va le mettre là déjà. Alors, il va y avoir le 12, page 133. Le 23, page 137. Le 24, page 137. Et le 27, page 138. Pour la rentrée. Rentrée qui se fera également en visio. Et nous serons le, je vais vous dire ça, alors, c'est où? Donc, là on est le 7, la semaine prochaine vous n'avez pas cours, la semaine d'après vous n'avez pas cours, donc ce sera pour le lundi 26. Lundi 26 avril. Lundi matin, la rentrée en vie. Bah oui. Et quand on reviendra au lycée, ça... Alors, Léo, je n'en ai strictement aucune idée. Je ne sais même pas ce qu'on doit faire la semaine prochaine au final. Donc, qu'est-ce que tu veux? On fera. Non, c'est tout. Non, je peux pas vous dire. Je peux vraiment pas vous dire ce qu'on va faire. Je suis vice-président. Oui, Raphaël. Je ne tirerai rien. Enfin, voilà. Donc, voilà, ce cours terminé. Je vous souhaite de bonnes vacances. Faites bien votre quiz. Avant samedi 17 ou 18h, je ne sais plus, je crois que c'est 18h, j'ai mis le plus tard possible. Et on se retrouve à la rentrée. Voilà. Allez, bonnes vacances à tous.